Donc aujourd'hui, ah oui, disclaimer aussi, désolé, c'est moi, c'est pas Pierre aujourd'hui qui anime ce live. Pierre est malade, on pense à lui. Rien de grave, je vous rassure. Et du coup, je prends le relais. Et de toute façon, ce qui compte aujourd'hui, c'est plus Tanguy Manuel qui va nous présenter en gros leur recette pour progresser sur toutes les notions data en tant que PM. Vous allez voir que c'est assez cool ce qu'ils ont préparé. Pour vous donner un petit peu de contexte aussi de nous ce qu'on voit chez TPC en ce moment, les attentes des entreprises, les remontées, les besoins et les compétences qui sont le plus demandées dans la communauté aujourd'hui. Clairement, la compétence data elle est encore plus game changer que ces dernières années pour les entreprises qui recrutent et pour les équipes product. Il y a une vraie injonction à l'impact depuis 12-18 mois. Ça va pas s'arrêter. Et du coup, effectivement, en tant que product manager, vous devez être data-driven plus que jamais. Ça veut dire informer vos décisions avec de l'inside business et ça, si possible, avec de la donnée en temps réel. Donc, il y a un vrai enjeu aussi de structuration de votre donnée, de savoir comment la manipuler pour un inside business. On voit de plus en plus des cultures qui sont vraiment axées sur la donnée dans les équipes. Et la vocation, effectivement, c'est générer des bons insights pour développer le business. Et aussi, il y a pour beaucoup un besoin d'être en autonomie vis-à-vis des équipes data. Vous n'avez pas toujours un data analyst ou un membre de l'équipe data qui va pouvoir vous sortir vos données ou vous donner justement de l'info en temps réel et de l'analyse. Donc, comment se débrouiller soi-même et apporter de l'impact sans passer par toutes les équipes, support et tous les collègues et autres personnes qui pourraient vous aider mais qui sont pas disponibles pour l'instant. Donc, voilà, on va parler un peu de tous ces sujets avec Manuel et Tanguy. Avant ça, balance un petit cadeau. Vous verrez qu'il y en aura d'autres encore plus cool après. Mais voilà, il y a quelques mois, on avait bossé avec 5 startups sur le product, enfin data product management. Donc en gros les practices, le craft data appliqué aux équipes product dans 5 startups. Vous avez des boîtes comme Paperness, comme LegalStart, comme June. On peut faire un petit coucou à Enzo au passage qui avait partagé toutes leurs skills là-dessus et toutes leurs practices. Donc chopez-les. Ne ratez pas ça. Il y avait même un PM de Google qui avait expliqué comment chez Google, dans ce document, ils adoptent justement une practice data hyper sharp. Donc voilà, si c'est un truc qui vous intéresse, n'hésitez pas. Il suffit juste de scanner le petit QR code et vous le recevrez sur votre boîte mail pour le garder au chaud et peut-être le partager avec vos équipes en interne. Sarah, si tu as le lien, n'hésite pas à le balancer aussi dans le chat, comme ça, pour ceux qui n'ont pas leur téléphone sous la main, vous pouvez quand même récupérer la petite ressource. Si vous ne connaissez pas TPC, on est une communauté de 10 000 membres. Aujourd'hui, il y a des professionnels de la data, du product, du design et de l'engineering qui sont dans la communauté. Vous êtes les bienvenus pour postuler si vous voulez nous rejoindre, c'est gratuit. Un peu sélectif. Si vous êtes junior, c'est pas ouvert à tout le monde, mais il faut avoir un peu d'expérience et faire partie de la tech. Et justement, on bosse avec puissantes entreprises tech partenaires en parallèle. On aide à peu près 1 000 talents par mois dans leur recherche de job. Et voilà, une fois que vous faites partie de la communauté, vous avez accès à des events, des jobs, des masterclass, plein de ressources, des opportunités de coaching aussi et de connecter avec les autres membres. Et puis, connexion avec le reste de la communauté. Et si très spécifiquement vous êtes en recherche actuellement, pareil, vous pouvez scanner le QR code ici, on vous aide là-dessus. Si vous êtes en product, engineering, design, data, vous cherchez un job, c'est un peu notre spécialité. Donc pareil, on vous mettra le lien ou vous pouvez aller sur notre site si ça vous intéresse. Voilà, on est plus de 150 dans le live. Il va être temps de passer la main pour le sujet du jour. Balancez vos questions pendant le live sur le chat et on se retrouve juste après pour le Q&A et pour justement vous donner le micro. Merci Tanguy Emmanuel d'être avec nous et puis je vous laisse la main. Yes, parfait. Bonjour à tous. Commencez par partager mon écran. Est-ce que Sarah ou Mathias, vous pouvez confirmer que c'est bon? Yes, c'est bon. Ok, top. Bah écoutez, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et du coup, comme disait Mathias, c'est notre deuxième sur TPC. On avait fait un premier live du coup il y a quelques mois sur comment prédire et mesurer l'impact business des initiatives produits. Et donc aujourd'hui, on revient une nouvelle fois pour parler de la data.
Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter rapidement avec Manu. Donc, moi, c'est Tanguy. Je suis senior product analyst chez Dashlane. Dashlane, on va introduire ça très rapidement. C'est un logiciel à la fois B2C, B2B, B2C, justement pour gérer vos mots de passe et vos accès, vos identifiants, et aussi améliorer la sécurité des entreprises de manière générale et faciliter aussi votre navigation sur Internet. Donc, vraiment, la partie sécurité, expérience. Donc, je travaille particulièrement sur des sujets gros, self-service, PLG et monétisation. Donc, voilà de mon côté, Manu. Ouais, et moi c'est Manuel, donc je suis chez Dashlane depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Je suis product analyst aussi comme Tanguy. Et moi je travaille surtout sur la partie activation, donc sur des problématiques d'onboarding, notamment sur la partie B2B, ouais, nos customers B2B. Ok, donc du coup aujourd'hui on va parler de data et plus particulièrement de montée en compétences sur les sujets data. Donc nous en tant que product analyst on a travaillé avec pas mal de PM différents et donc là ça a fait un peu plus de 4 ans qu'on travaille sur ces sujets-là et en fait on s'est posé la question globalement qu'est-ce que ça veut dire pour un PM de maîtriser la data. On a vu pas mal de choses différentes sur le sujet. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on veut vous partager, c'est un peu l'approche pragmatique, l'approche métier. Donc, c'est-à-dire d'un point de vue concret, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous et c'est quoi le spectre des compétences en fait que vous devez maîtriser aujourd'hui pour augmenter votre impact sur le business et aussi accélérer votre carrière. Parce que, comme disait Mathias, c'est aujourd'hui très central dans n'importe quelle boîte, que vous soyez au stade de création ou au stade plus de scale-up, de croissance. Et du coup, nous, aujourd'hui, l'ambition avec cette présentation, c'est de vous partager un peu notre modèle de compétences donc qu'on a développé justement pour vous donner vraiment une sorte de boussole en fait pour visualiser, faire le point sur vos compétences data et savoir où est-ce que vous devez axer un peu vos efforts de formation dans les prochains mois et prochaines années pour continuer à vous améliorer sur la partie data. Donc un peu de contexte pour vous expliquer un peu d'où on est parti. En fait, on est parti un peu du Reforge Competency Model. Alors, vous avez certainement déjà entendu parler, mais Reforge, c'est la communauté de référence dans la tech sur des sujets product et growth. Et du coup, il y a quelques mois, ils ont partagé une ressource pour expliquer en fait quelles sont les 12 compétences majeures que vous devez maîtriser en tant que PM pour continuer à accélérer votre carrière et vous développer. Et sans surprise, parmi ces 12 compétences, il y a la data. Donc globalement, ils parlent de fluency with data. Et donc quand on a plongé un peu dans leur contenu, bah, en fait, bah, déjà évidemment, tout est excellent chez eux, il n'y a rien à redire là-dessus, mais on s'est rendu compte qu'il y avait assez peu de détails en fait, pour expliquer ce que ça voulait dire d'être fluent with data, en fait, et du coup de maîtriser cette compétence. Et donc nous, on a voulu aller plus loin. Et du coup, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va vous introduire notre modèle de compétences data. Pour vous donner justement tous ces axes de formation et de progression. Souvent, quelque chose qu'on observe, c'est un peu le raccourci, OK, je suis PM, je veux progresser dans la data, alors je veux apprendre le SQL. Alors certes, le SQL, c'est une compétence qui est excellente, qui est super importante, mais c'est qu'une partie du modèle, c'est qu'une partie des compétences que vous aurez besoin. Et surtout, c'est peut-être pas la compétence aujourd'hui que vous devez développer selon votre stade de seniorité. Selon voilà, qui est-ce que vous avez dans votre équipe aujourd'hui, est-ce que vous avez une équipe data qui est là pour vous aider et aussi les types de sujets, le niveau stratégique que vous allez aborder en fait sur vos problématiques produits. Globalement, voilà à quoi ça ressemble. Alors, ça peut paraître très dense à première vue, on va rentrer dans le détail de chacune des compétences. Alors, on va aller de façon assez superficielle sur certains sujets. Mais globalement, il y a 6 modules qu'on va vous partager aujourd'hui. Et chaque module est composé d'un set de compétences. Donc là, on va vraiment parler de la compétence métier. On ne veut pas être dans le théorique, mais vraiment dans le pragmatique. C'est-à-dire que c'est nous, c'est des choses qu'on explore et qu'on utilise au quotidien en tant que product analyst et aussi qu'on va utiliser pour aider nos PM à monter en compétences en interne chez Dashlane, quel que soit leur niveau de seniorité d'ailleurs. Que ce soit des PM plutôt juniors ou des senior director of product, par exemple, qui eux, justement, n'ont pas encore tout ce spectre où justement on voit vraiment la différence sur l'utilisation de la data aussi sur la partie
seniorité. Donc, il y aura certainement pas mal d'évolutions. On parle pas mal d'intelligence artificielle en ce moment. Donc, l'utilisation de la donnée, l'accessibilité aussi de la donnée et comment est-ce qu'on peut la manipuler. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de justement à n'importe qui de mieux utiliser la donnée. Par contre, il y a une chose qu'on est convaincu, c'est qu'il y aura des fondamentaux qui vont jamais changer et à côté desquels vous pourrez pas passer en fait pour vraiment devenir bon dans l'utilisation de la donnée. Donc ça, on va l'aborder aussi. Et donc une première nuance dans cette matrice, parce que je pense que parmi l'audience, il y a des gens qui travaillent dans plein de types de boîtes différentes, c'est que en fait l'importance des différents modules et des différentes skills vont varier selon le stade de croissance de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez. Donc un premier truc très concret là-dessus, c'est une pyramide qu'on aime bien, c'est un peu la pyramide qui décrit les différents stades de croissance. Des boîtes et du coup éventuellement voilà les besoins data que vous aurez selon ces différents stades. Par exemple, quand vous êtes au founding stage ou à la growth stage, ça va pas du tout être la même chose. Déjà, la façon, le niveau de granularité que vous aurez dans la donnée, le type de données que vous allez traquer, les outils que vous aurez à disposition sont complètement différents. En tant que PM, vous aurez peut-être pas de data analyst au début, alors que après vous pourrez passer d'un modèle où vous aurez un analyste par PM et du coup par exemple, l'extraction de la donnée, elle va être beaucoup plus importante au début. Donc, la capacité à faire du SQL, éventuellement, si vous avez justement les bons outils pour le faire, elle va peut-être beaucoup plus importante au début. Alors qu'à la fin, on va plus axer sur comment maximiser sa collaboration avec son analyste pour justement tirer le meilleur de la donnée que vous avez à disposition dans votre boîte. Donc, on va vraiment faire cette nuance-là. En tout cas, on va essayer de le faire quand on va parler des différents modules. Ok, donc maintenant qu'on a introduit un peu les bases du sujet, on va pouvoir rentrer dans le détail du modèle de compétences qu'on a développé. Alors, le premier module qu'on va aborder, c'est ce qu'on appelle le business acumen. Alors, si vous regardez la matrice à droite ou le modèle qu'on a développé, le business acumen, en fait, il est au centre de ce modèle pour la simple et bonne raison que si vous ne maîtrisez pas cet aspect-là, alors vous ne pouvez pas être pertinent sur les autres. Donc c'est pour ça qu'on le met au cœur vraiment de la matrice. Et qu'est-ce qu'on appelle le business acumen? Ça va être tout simplement votre compréhension du business. Donc si on prend une image et qu'on se dit, ben voilà, vous êtes capable de représenter votre business comme une machine, de comprendre qu'est-ce qui doit sortir de cette machine et quelles sont toutes ces dynamiques, quelles sont toutes les variables qui interagissent entre elles pour dégager des outcomes business. Si vous arrivez à justement avoir ce modèle un peu, cette carte mentale, et à l'expliquer de façon très simple et à la connecter à votre travail produit, ben ça va être vraiment une compétence et un plus énorme. Et c'est notamment une différence qu'on voit entre les juniors et les seniors, c'est la capacité à justement comprendre ce modèle mental et à l'expliquer. Donc globalement, dans ce module, il va y avoir trois grosses compétences. Donc justement, ce que je viens de mentionner, donc être capable de mapper ce qu'on appelle le business causal model. Le deuxième, ça va être la capacité à créer des arbres de métriques. Et la troisième, ça va être de définir des métriques, définir voilà, les potentiels et les éventuelles opportunités d'amélioration, les seuils d'amélioration, c'est quoi vos plafonds d'amélioration sur des métriques, et à définir des targets. Alors ça, ce n'est pas l'exercice le plus facile à faire, mais on va aussi vous l'expliquer. Donc le premier, qu'est-ce que ça veut dire de en fait avoir du coup ce business causal model? D'un point de vue très pragmatique, ça va être la capacité déjà à comprendre la formule de revenu de votre business et du coup de réussir à la décomposer en toutes ces variables et d'avoir justement comprendre, être capable d'expliquer très simplement c'est quoi les drivers de la croissance de votre entreprise, la croissance de votre revenu, que ce soit le revenu existant ou le nouveau revenu, comment est-ce que vous allez pouvoir jouer sur ces différentes variables. Donc le niveau 1, on va dire que ça va être de comprendre cette formule de revenu et le niveau maximal, ça va être la capacité à décomposer votre formule de revenu et du coup tous les variables qui interagissent entre elles et de faire un modèle un peu financier pour simuler les outcomes sur votre business si vous changez une variable. Par exemple, qu'est-ce que ça pourrait représenter en termes d'impact sur des revenus récurrents mensuels, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a pas mal de ressources là-dessus qu'on va vous partager aussi pour aller plus loin sur ces sujets-là, que Lenny Rachitsky notamment partage, Dan Okenmayer pour ceux qui connaissent, pour parler de grosses modèles notamment. Donc ça aussi, c'est des ressources qui sont accessibles gratuitement.
La deuxième partie, ça va être la capacité à créer des arbres de métriques. Alors ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler via Amplitude, via le concept de North Star Framework, mais ça va être justement, si vous travaillez avec votre product team, de décomposer, en fait, c'est vous poser la question, c'est quoi l'outcome de ma métrique? Comment cet outcome est connecté justement à un élément de la formule de revenu? Et comment est-ce que je vais réussir à décomposer du coup mon outcome en input tree, donc différents niveaux d'input qu'on va pouvoir relier à des initiatives produits qu'on va exécuter sprint par sprint. Comme ça, vous pouvez vraiment avoir beaucoup plus de sérénité que voilà, quand vous allez commencer à développer une initiative produit, elle va être connectée à un outcome concret. Donc ça va faciliter votre communication avec le management, avec le leadership. Et ça va être aussi une manière pour vous d'avoir une nouvelle fois une carte mentale pour valider votre compréhension de la relation entre les différentes variables et les différents leviers que vous avez à disposition avec votre équipe à l'échelle du business. Donc voilà pour cet aspect-là. Et enfin, la capacité à définir des métriques. Alors ça, définir une métrique, ça peut paraître relativement basique, mais c'est quelque chose que nous, on remarque n'est pas souvent très bien fait. Quand on parle de définir une métrique, c'est déjà associer la bonne métrique à la bonne problématique business. Définir la bonne formule de calcul pour qu'elle soit mesurable au moment où on a besoin et aussi avoir la bonne définition, la bonne taxonomie. Donc ça, c'est vraiment des fondamentaux. Et ensuite, souvent, ce qu'on va vous demander, c'est bah voilà, je vais travailler sur un trial conversion rate, par exemple. C'est quoi le potentiel d'amélioration maximale que vous auriez si vous faisiez tout à 100% et que vous avez la meilleure expérience? Est-ce que vous êtes déjà à 22% et le maximum dans l'industrie, c'est 25%? C'est peut-être pas là où vous aurez le plus de potentiel d'impact. Et à quel point vous allez pouvoir réussir à driver des améliorations 1%, 1 point de pourcentage, 2 points de pourcentage par quarter? C'est développer en fait tout le business acumen. C'est ça qui va vous permettre justement de définir ce type d'artefacts qui vont être utiles dans vos projets tactiques comme stratégiques et aussi dans votre communication avec le management. Ensuite, la deuxième partie, et ça, c'est peut-être la plus fun, on va dire, en tant que product manager, mais aussi en tant qu'analyste, c'est la capacité à créer des insights. Alors, créer des insights, qu'est-ce que c'est? Globalement, ça va être la capacité à croiser, en fait, votre intuition avec des données qualitatives, des données quantitatives, pour en générer une information qui a de la valeur pour votre business et une recommandation qui va aboutir en un projet ou qui va avoir vraiment un impact sur vos utilisateurs et éventuellement un impact sur le revenu derrière. Donc créer des insights, c'est quelque chose qui est très complexe et du coup, il y a plusieurs compétences, encore une fois, qui rentrent en jeu pour être capable de le faire. Vous n'avez pas forcément toujours besoin de maîtriser chaque compétence, mais comme je l'avais rappelé en introduction, l'importance relative de chacune des compétences va changer selon le stade de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez. Donc la première étape, ça va être du coup de maîtriser le process d'analyse de données, savoir extraire et structurer un dataset, savoir manipuler de la donnée. On va rentrer plus dans le détail sur qu'est-ce que ça veut dire manipuler la donnée en tant que product manager, et ensuite réussir à dégager des recommandations d'une analyse. Donc maîtriser le process d'analyse de données. Alors ça, quelle que soit votre volonté, quelle que soit la problématique ou la question ou l'hypothèse que vous voulez justement évaluer, il y aura toujours 4 à 5 étapes par lesquelles vous devrez passer pour créer des insights qui sont robustes, qui sont clairs et que vous pourrez démontrer sous plusieurs angles, on va dire, et qui du coup auront un vrai impact sur l'entreprise. Donc ces 5 étapes-là, je ne vais pas les rentrer dans le détail parce que ça prendrait un peu de temps. Mais encore une fois, il y a toute la documentation et des ressources sur ce sujet-là. Mais l'idée, c'est de dire que il y a des étapes par lesquelles vous devez passer et vous devez être très méthodologique dans l'approche d'une analyse, depuis la définition des hypothèses jusqu'à la distribution des insights. Et donc, au cours de ces étapes, vous pourrez soit être autonome, tout seul en train de les créer, soit vous aurez un partenariat aussi à avoir avec votre analyste pour justement dérouler chacune de ces étapes. Ensuite, la deuxième chose, ça va être la capacité à extraire et structurer un dataset. Alors, extraire un dataset, ça va dépendre encore une fois du stade de l'entreprise dans lequel vous vous trouvez et des outils que vous avez à disposition.
Pour certains d'entre vous, ça veut dire savoir faire du SQL. Si vous êtes dans une petite boîte, vous êtes entre 20 et 50, du coup, vous avez accès, vous savez faire un petit peu de SQL, et du coup, vous êtes capable de parler aux bases de données, bah, très bien, vous pourrez avoir récupéré des données basiques pour prendre vos décisions. Mais il y aura aussi, par exemple, l'utilisation d'amplitude, ou alors savoir extraire un CSV. Et je dirais le plus important, et ça c'est vrai à n'importe quel stade, c'est savoir structurer un dataset. Donc vous posez des questions, vous voulez évaluer des hypothèses, c'est quoi les colonnes, c'est quoi les lignes, à quoi doit ressembler mon tableau que je vais vouloir manipuler après. Avoir cette vision-là et être capable de le spécifier et le définir, bah, ça va être clé à n'importe quelle étape. Parce que soit ça va définir, en fait, ça a conditionné comment est-ce que vous allez structurer votre query, si vous faites du SQL, soit ça va structurer un peu votre demande à votre analyste derrière pour justement savoir quel type de données vous allez avoir besoin pour être autonome dans la manipulation. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, il y a la manipulation de données. Alors si vous faites du product analytics, globalement, il va y avoir trois types d'analyses un peu classiques que vous allez vouloir faire. C'est l'analyse de cohorte, c'est de la segmentation pour comprendre, bah, voilà, quels sont les drivers, des tendances ou voilà, que vous observez à haut niveau. Et c'est de l'analyse de corrélation ou de causalité entre plusieurs variables. Globalement, ça peut paraître très simpliste, mais ça tombe un peu toujours dans ces trois catégories-là. Et aujourd'hui, par chance, on va dire, il y a énormément de ressources aussi sur Internet sur comment est-ce qu'on peut faire ces analyses. Alors, on n'est pas obligé d'avoir des outils incroyables. On peut faire tout ça dans des Google Sheets, une fois qu'on sait maîtriser, en fait, l'extraction de données. Il n'y a pas besoin forcément d'un amplitude, d'un tableau ou quoi que ce soit. N'importe qui, c'est vraiment à la portée de n'importe qui. Par contre, il faut vraiment être très méthodologique, encore une fois, pour choisir la bonne approche pour manipuler les données et les visualiser. Ensuite, bah, une fois qu'on a réussi à, bah, voilà, planifier son analyse, extraire les données, les manipuler, et bah, c'est pas tout. Il faut savoir justement dégager une recommandation de l'analyse des données quantitatives. Donc ça, c'est vraiment l'étape la plus cruciale, parce que c'est là où vous allez créer de la valeur finalement, aussi en tant que PM. Et c'est là que vous allez devoir utiliser votre business acumen pour justement relier les observations que vous avez pu faire avec le contexte business et aussi les hypothèses et les insights que vous avez eus en parlant aux utilisateurs, aux différents clients. Donc là, par exemple, ça veut dire, nous, typiquement, pour donner un exemple, c'est quelque chose sur lequel on avait travaillé, on a fait une grosse analyse, où on a vraiment travaillé avec plusieurs PM, on a parlé avec les sales, avec le marketing, et en fait, on a fait une grosse analyse comportementale bah, des utilisateurs dès qu'ils arrivaient bah, dans l'application, et on a essayé de définir c'était quoi leur parcours d'activation idéal, c'était quoi un peu les comportements qu'ils devaient faire dans les premiers jours. C'était quoi la séquence des actions et c'était quoi leur niveau de corrélation entre bah, justement faire ce groupe d'actions et bah, finalement acheter un plan à la fin des X jours de trial. Et bah, typiquement, si vous arrivez à créer ce type d'artefact et le partager à vos différentes équipes, ça va générer énormément d'alignement. Et donc là, on parle de quelque chose de concret. On ne va pas juste dire, bon voilà, le fait de faire telle action, c'est corrélé à X% avec le fait d'acheter. Bah, ce ne sera pas forcément très actionnable pour votre équipe. Par contre, si vous proposez un parcours d'activation avec des étapes, une séquence d'action à faire sous X jours, bah, ça va être beaucoup plus actionnable et concret pour les équipes avec lesquelles vous allez travailler. Ensuite, alors ça, c'est peut-être un de nos favoris, je pense, avec Manu, et c'est quelque chose qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, c'est l'interprétation des graphiques, à quel point c'était quelque chose qui était peu maîtrisé et qui pour autant peut vous faire gagner un temps fou dans votre boîte et aussi vous démarquer auprès du leadership si vous savez bien lire les graphiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de bien lire un graphique? Donc, il y a plusieurs aspects. Un, c'est séparer, c'est réussir à détecter des signaux dans les graphiques que vous allez observer sur les différentes métriques que vous avez l'habitude de monitorer. Deux, ça va être la capacité à faire un pressure test, donc à challenger ses propres observations pour justement dégager, voilà, dégager une recommandation ou justement une alerte sur un éventuel problème sur une métrique. Et trois, c'est avoir une approche méthodologique pour faire des investigations de métriques. Donc ça, c'est les trois grandes compétences. Alors la première chose, et c'est souvent ce qu'on voit, c'est quand vous allez regarder en fait vos différents graphiques.
Ça va rarement être une courbe linéaire que vous allez facilement pouvoir dégager une amélioration ou après avoir fait un changement. Souvent, ça va être assez chaotique. Et on lisait un article il n'y a pas longtemps et ça pourrait ressembler voilà, à un trait dessiné par un enfant, en fait, votre graphique de MQL, par exemple, tous les mois. Et justement, c'est là que ça devient très difficile d'identifier qu'est-ce qui est une variation significative. Qu'est-ce qui est une variation qui indique un changement positif? Parce que vous n'allez pas toujours faire de l'A/B test, pouvoir faire de l'isolation parfaite, mais vous allez devoir détecter les changements. Et là, justement, il y a des approches. Par exemple, c'est ce qu'on appelle les XMR charts, qui ont une approche qui est statistique, méthodologique, pour justement avoir une vision très claire d'un signal ou d'une variation qui est en dehors des limites attendues. Et donc, c'est un framework qui est assez simple et qui pour autant apporte beaucoup de valeur, et la valeur que ça aura, ça va faire gagner énormément de temps à vos équipes pour ne pas tirer la sonnette d'alarme quand il n'y en a pas, ou alors pour justement tirer la sonnette d'alarme quand il faut et que personne l'a vu. Donc voilà pour ce premier point. Le deuxième point, ça va être justement challenger ses propres observations. Souvent, on va prendre un dashboard, on va regarder une courbe, on va se dire, ah, il y a peut-être ça. Tiens, je vois ce point-là qui a tiré là. Et en fait, on a énormément de biais quand on lit les graphiques et surtout quand on ne les partage pas ou quand on ne va pas challenger, on ne va pas partager ça avec son analyste ou parler avec le marketing, avec les sales dès qu'on va lire un graphique. Donc, on va manquer énormément de contexte. Et donc là, la clé, ça va être d'avoir un set de questions qu'on va se poser à chaque fois qu'on va rentrer dans un niveau de lecture d'un graphique et qui va permettre justement de regarder les choses sous le bon angle et de valider que son observation est robuste et que ça va être pertinent de le partager avec une audience plus large. Donc ça, voilà, il y a encore une ressource de Reforge qui est super pertinente avec quatre grandes questions à se poser dès qu'on a une observation, une intuition sur un graphique. Ça, voilà, ça va être disponible aussi. Et la dernière étape, c'est, imaginons, vous avez du coup vu un graphique, vous avez identifié un signal, vous avez identifié par exemple que votre trial conversion rate est à la baisse, qu'il y a une baisse significative. Comment est-ce que vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qui drive la baisse? Ça va être de faire une root cause analysis. Et en fait, il y a tout un processus et une méthodologie pour le faire, avec différentes questions à se poser dans un certain ordre pour retirer en fait des hypothèses. Et du coup, qui vont vous permettre de résoudre assez vite en fait la compréhension de la chute d'un indicateur ou son augmentation. Ça, c'est une super ressource, encore une fois, de Elena Verna, disponible aussi sur Reforge. Reforge Artifact, si vous ne connaissez pas, voilà, vous pouvez partager en fait tout ce que vous avez fait dans votre boîte et du coup le rendre accès à n'importe qui. Donc, c'est une super vitrine aussi. Ça, c'est disponible en accès public. Donc maintenant, on va voir ensemble ce qui est important de maîtriser en tant que PM pour être plus autonome et efficace avec les ressources data que vous avez à disposition, que ce soit la data team ou des outils en particulier. Donc il y a quatre grands skills qu'on a voulu mettre en avant sur l'utilisation des données. Déjà, c'est comprendre dans un premier temps quel est l'environnement data dans lequel on évolue, que ce soit l'équipe data, les outils, les ressources. Si vous avez la chance de travailler avec un data analyst, comment construire un vrai partenariat avec l'analyste pour être efficace et amener vraiment de la valeur? Comment structurer un besoin ou un projet data de manière générale, que ce soit pour vous ou pareil, un besoin avec un analyste? Et finalement, comment vous pouvez être plus autonome grâce à la maîtrise d'outils analytiques différents pour pouvoir faire vos propres analyses? Donc le premier point, comment en fait vous pouvez comprendre un peu l'environnement data dans lequel vous évoluez, c'est nous ce qu'on recommande c'est d'aller parler, déjà de rencontrer votre équipe data s'il y en a une dans la boîte, de comprendre comment ils travaillent, quels sont leurs challenges, comment ils sont structurés, quels sont je sais pas quel est le stakeholder idéal pour eux, pour vraiment maximiser cette collaboration. Et ensuite au niveau des ressources data pures, ce qui est super important, c'est de comprendre un peu comment la data est traquée. Est-ce que c'est du front-end? Est-ce qu'il y a de la data back-end aussi?
Parce qu'en fait, toutes les décisions que vous allez prendre, si la data est de mauvaise qualité, vous ne savez pas forcément les nuances de comment les traquer, ça peut biaiser vos décisions et ça peut être parfois pire que ne pas utiliser de data. Donc c'est un point assez important. Et il y a aussi bah, où, juste se renseigner sur où est-ce qu'il documentait cette data, est-ce que vous avez accès aux définitions. Et enfin, les outils différents, où est-ce que vous pouvez consommer en fait cette data, faire vos propres analyses grâce aux outils. Ensuite, bah, si voilà, vous avez la chance de travailler avec un ou une data analyste, on pense que c'est super important de créer un vrai partenariat et de vraiment voir l'analyste comme un partenaire autant qu'un designer ou développeur. Par exemple, ce qui peut être bien, c'est de créer une roadmap ensemble de projets analytiques sur le quarter et de travailler par exemple des analyses ensemble, de s'aligner sur bah, quelle question vous voulez creuser. Si l'analyste a une première itération, il peut venir avec ses premiers résultats et puis vous pouvez creuser ensemble. Par exemple, le PM peut avoir du contexte que l'analyste n'a pas sur ah bah oui, voilà, ce point il est assez intéressant ou alors ah, t'as oublié cette nuance, on pourrait creuser un peu. Et c'est vraiment nous ce qu'on a remarqué, ce qui produit les meilleures analyses. Et ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est un peu cette relation transactionnelle où le PM va poser des questions assez fréquentes et sans contexte. Parce que ça, en fait, il peut y avoir une frustration du PM qui ne va pas avoir assez de vélocité à cette réponse à ces questions. Et l'analyste qui va se sentir aussi un peu frustré de ne pas pouvoir passer plus de temps sur des projets plus long terme à fort impact. Qui va se sentir un peu comme un chat GPT, quoi. Donc, c'est un peu un truc à éviter. Ensuite, sur la partie structurer un besoin data ou un projet data, c'est super important parce qu'en fait, on a accès généralement à un énorme volume de data, on peut répondre à plein de questions, mais il n'y a que 5-10% des questions qui vont vraiment amener de l'impact sur le business. Donc, quand on structure un projet data, ce qui est important, c'est de commencer par le contexte business, que ce soit pour vous ou que ce soit pour l'analyste. Donc voilà, par exemple, je travaille sur tel projet et on aimerait répondre à ces trois questions clés dans le but d'avoir, par exemple, plus de confiance, dans le but de réduire le risque sur telle décision. Et le top, c'est si vous pouvez créer une sorte de decision matrix en vous disant, OK, si on répond à cette question et que la réponse, c'est ça, eh ben, on va prendre telle décision. Si c'est pas A, mais c'est B. Eh ben, on creusera un autre insight ou alors on prendra telle décision. Et là, vous pouvez être sûr que bah, vous avez vraiment besoin de cette data. Et généralement, si vous n'arrivez pas à créer cette decision matrix, c'est que vous n'avez peut-être pas besoin de cette data en fait, pour prendre une décision. Et l'analyste, c'est ultra important pour l'analyste car il va être sûr qu'il aura un impact avec ces données, qu'il ne va pas passer son temps à sortir un insight juste pour le plaisir, entre guillemets, d'avoir la donnée. Et finalement, bah, d'avoir un peu une estimation de l'urgence et pour pouvoir prioriser efficacement. Et finalement, sur cette partie, bah, ce qui est important en tant que PM, si vous avez accès à, par exemple, un Amplitude, c'est voilà, d'avoir une bonne maîtrise de l'outil, parce que ça va vous permettre de faire vos propres analyses, de répondre un peu aux premières questions basiques que vous posez sans avoir besoin d'un analyste. Et ça va vous permettre bah, d'avoir une insight plus rapidement. Et de laisser, si vous avez des analystes, de les laisser se concentrer sur des projets beaucoup plus complexes à forte valeur ajoutée. Donc, comme disait Tanguy, ça peut passer par voilà, utiliser un Google Sheet, un Excel, un Amplitude, ou alors juste avoir accès au bon dashboard pour pouvoir faire vos propres petites analyses. Et ça vous fera gagner pas mal de temps. Ensuite, un module assez important pour nous, c'est une fois qu'on a accès à toutes ces ressources data, c'est de pouvoir sizer un peu l'impact que vous pouvez avoir avec des initiatives et aussi mesurer l'impact que vous avez une fois que vous les avez lancées. Donc, ça se décline pour nous en quatre grands skills qui sont l'analyse de scénario et sensitivity, l'expérimentation, savoir bien spécifier des success metrics. Et enfin, isoler l'impact business. Donc, sur la première, en fait, une analyse de sensitivity, c'est un peu pour savoir, vous avez dans votre scope sûrement plusieurs leviers. Par exemple, le trial conversion rate, c'est un levier intéressant pour le nouveau revenu. Ce qui va être intéressant, c'est de faire une petite analyse en se disant,
Bon, bah, si à toutes choses égales, on augmente le trial conversion rate d'1%, qu'est-ce qui se passe sur le nouveau revenu? Et on va pouvoir faire ça sur plein de leviers différents. Ça va nous permettre de comparer un peu la puissance des leviers. Et généralement, plus un levier est puissant potentiellement, plus il est dur de l'actionner. Et c'est pour ça que vous pouvez utiliser ensuite des scénarios pour estimer le potentiel impact d'initiative. Vous dire, bon, bah, voilà, je prends telle et telle hypothèse et je me dis le worst case scénario. Ça sera à 15% de trial conversion rate et le best case c'est 21%. Et vous saurez défendre pourquoi à partir d'hypothèses claires. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, ce qui est intéressant c'est d'avoir vraiment un framework d'expérimentation. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué c'est que on sait jamais vraiment l'impact d'une initiative avant de la lancer. Donc, ce qui est important c'est de pouvoir rebondir et d'apprendre à chaque fois qu'on lance un experiment. Donc, ce framework de Spotify est vraiment super. On l'utilise tous les jours à Dashlane. Il va vous permettre de vous concentrer vraiment sur des problems to solve à partir de la data, des insights à la fois qualitatives et quantitatives. Une fois que vous trouvez un problème pertinent, bah, vous pouvez générer des hypothèses, vous concentrer sur une hypothèse en particulier, générer des solutions, puis les tester, apprendre et itérer. Et en fait, travailler un peu comme un détective. Qui va exclure des hypothèses, en valider d'autres, en affiner d'autres et toujours travailler avec la data et avec la mesure du succès à chaque fois. Et ce qui est important sur cette partie aussi, c'est de savoir bien spécifier ses success métriques. Donc, une métrique, elle doit toujours servir un but précis. Donc, il faut l'adapter un peu à son objectif. Il y a des métriques, par exemple, lagging ou leading. Une lagging métrique, c'est quelque chose qui va vous servir à estimer un peu le succès sur le long terme, que vous n'allez pas pouvoir impacter directement. Et les leading métriques, ben justement, elles vont être connectées à ces lagging métriques. Et elles, vous allez pouvoir les mesurer beaucoup plus fréquemment, rapidement, et avoir un impact dessus. Donc, une métrique, ce qui est important, c'est qu'elle soit très précise. Par exemple, si je dis juste le conversion rate, ça peut être plein de choses différentes. Alors, si je dis le trial conversion rate, au jour 15 après le premier achat, bah là, il n'y a pas de débat, on sait précisément de quoi on parle. Donc ça, c'est important aussi pour être sûr d'être aligné quand on parle d'une métrique, qui est une population claire, une time window, et voilà, qu'on sache comment l'utiliser. Et finalement, sur cette section, ce qui est important, c'est de pouvoir isoler l'impact business, donc de réfléchir en fait avant un experiment ou une initiative, bah, comment est-ce que je vais roll out cette nouvelle feature et comment je vais mesurer le succès. Donc, si c'est une feature par exemple ou si c'est un improvement qui est juste de legal compliance où il n'y a pas de customer impact, qu'il n'y a pas de besoin de tracking, il n'y a pas forcément besoin de réfléchir aux métriques. Si par contre c'est un changement où vous allez vouloir vraiment mesurer l'impact, il y a deux grandes possibilités, c'est soit faire une pré-post analysis, donc release la nouvelle feature à 100% avec du tracking et ensuite voir l'avant-après. Le problème, c'est qu'il n'y a pas énormément de confiance, il peut y avoir des biais, par exemple, si vous lancez une nouvelle campagne marketing juste après votre feature ou qu'il y a un événement externe économique, ça peut vachement biaiser en fait le comportement de la cohorte d'avant versus celle d'après. Nous, on utilise une méthode qui s'appelle la causal inference. Donc, pareil, on partagera des outils sur ça. Qui permet, en fait, c'est un modèle prédictif qui permet de mieux détecter ces signaux et de réduire le biais. Et le golden standard, on va dire, c'est l'A/B test. Si vous voulez vraiment isoler l'impact, c'est ce qui permet d'avoir le plus de confiance dans l'impact et dans les insights grâce à une analyse statistique. Donc, la dernière pièce du puzzle pour nous, c'est comment bien communiquer avec la data. C'est un skill qui permet, en fait, d'avoir vraiment de l'impact sur tous les 90% du travail qui aura été fait avant, sur tous les skills qu'on a présentés auparavant. Mais s'il n'est pas effectué, bah, les 10% restants, ça peut, bah, voilà, vous pouvez louper des opportunités ou ne pas réussir à vraiment convaincre votre audience ou faire bouger un peu les projets que vous voulez. Donc, c'est assez important. Et il y a trois grands axes. D'abord, identifier bah, les bons data points à partager, créer des histoires qui vont parler à l'audience et enfin utiliser les bonnes visualisations pour faire passer vraiment votre message. Donc sur le premier point, ce qui est intéressant de partager, c'est d'abord
en fait, poser le problème, le contexte avec ces lagging indicators dont on parlait. On peut utiliser aussi des benchmarks, comme disait Tanguy, pour voir un peu la marge de manœuvre qu'on a. Est-ce qu'on est bien placé? Est-ce qu'on est, un peu en dessous par rapport à une métrique? Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de segmenter en fait les leading indicators, donc les métriques sur lesquelles vous avez un impact direct, et de vraiment voir différentes tendances par segment. C'est ça qui est le plus intéressant généralement. Et de souligner justement, par exemple, des drop-offs, des outliers, des tendances un peu bizarres, des choses inhabituelles, pour pouvoir creuser et expliquer un peu voilà, quel est votre plan d'action suite à ça. Donc pour faire passer ce message, ce qui est super important, c'est les data visualizations que vous allez partager. Donc ça passe par d'abord choisir la bonne visualisation, le bon type de visualisation, et surtout la documenter, de sorte que bah, juste dans le titre et en regardant le chart, on puisse savoir en fait quel est l'insight, qu'est-ce qui est important. Par exemple, ne pas hésiter à annoter le chart directement pour faire ressortir ce qu'on veut. Et aussi visualiser la data sous différents angles pour montrer que vous avez vraiment une bonne connaissance de l'insight, vous savez l'expliquer. Et finalement, pour conclure cette partie, la partie storytelling, c'est vraiment ce qui va vous permettre de générer de l'impact. Donc c'est commencer en fait avec expliquer un peu la data, quels sont les faits. Ensuite, vous allez rajouter une couche d'analyse qui est un peu subjective, c'est ça aussi qui va apporter beaucoup de valeur. Et vous allez en dériver des insights clés et ensuite vraiment un plan d'action par rapport à ces insights. Et ce qui est important, c'est de vraiment voir ça un peu comme une histoire d'utiliser à la fois de la donnée qualitative, par exemple d'interview, et d'ajouter la partie quantitative pour expliquer un peu ces données qualitatives. Et pour convaincre votre audience, bah, c'est adapter son message à l'audience, si c'est le marketing, si c'est sales, pour comprendre en gros leurs objectifs, leurs enjeux et communiquer la data qui va leur parler aussi, par exemple les KPI qui connaissent, qui leur parlent. Voilà, donc c'était toute la matrice, on l'a présentée. Et pour vous permettre de progresser, on a regroupé en collaboration avec The Product Crew toutes nos meilleures ressources, donc articles, blog posts, dans un guide Notion. Vous pourrez revenir dessus et voir en particulier bah, les sujets sur lesquels vous êtes le plus intéressé, que vous voulez vraiment développer. Donc voilà, c'est vraiment une ressource très complète sur laquelle vous pourrez revenir. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On était ravis de partager et d'échanger avec la communauté une deuxième fois. On espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. Et voilà, dans notre volonté de partager ce qu'on fait dans la data avec Tanguy, on a lancé Grow Science cette année sur Substack. On partage en fait du contenu gratuitement qui est ultra actionnable, donc que vous pouvez utiliser en fait directement dans votre entreprise. Qui est basé sur notre expérience de product analyst sur les sujets product, growth, data. Et on est en train d'écrire une série, par exemple, sur les principes clés pour utiliser la data dans la growth. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil aussi et ça peut vous intéresser en complément. Et on adaptera notamment tout ce qu'on a présenté ici sur un post, un article où vous pourrez revenir dessus en détail. Énorme, yes, canon. Et effectivement, bah, si vous ne connaissez pas cette newsletter, franchement, allez-y. Ça va vous envoyer un max d'insights. Je remets le Notion. Ah bah voilà, c'est bon, Sarah, tu l'avais fait aussi. vous l'aurez aussi. On va vous envoyer à tous le lien du replay avec les ressources et tout. Comme ça, vous ratez rien. Si vous êtes inscrit sur Meetup, c'est bon, vous aurez tous les liens cet après-midi. Merci énormément, Tanguy Emmanuel, franchement. Juste canon, et c'était très riche, très dense. Il y a beaucoup de gens qui ont demandé la presse, le replay, etc. Donc, pas de souci, on va vous envoyer tout ça. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de questions. Donc, on va essayer de tous vous donner le micro ou permettre d'avoir une réponse. On va essayer, du coup, d'aller vite. D'abord, Arthus, tu disais effectivement que le data analyst, c'est un peu un puits sans fond et qu'on peut facilement s'y perdre sans apporter toujours de valeur user au business. Donc, vous avez donné, Tanguy Manu, des conseils hyper concrets justement pour éviter ces biais. Est-ce qu'il y a des manières, des mindsets qui permettent d'éviter aussi
justement de tomber dans ce puits sans fond dont parle l'artiste. Ouais, alors c'est une très bonne question parce que il faut trouver le juste équilibre entre la curiosité bah, vraiment les besoins. Donc je pense que déjà il faut savoir se poser les bonnes questions à chaque étape du funnel. Nous, c'est une approche qu'on a un peu développée, mais pour éviter justement de justement se poser continuellement des questions et de jamais s'arrêter. Bah en fait, c'est d'avoir un peu un processus pour générer des insights. Déjà, ça, c'est une première chose. Donc, d'avoir une bonne compréhension des problèmes qu'on va utiliser, de partir des problèmes. Et une fois qu'on est parti des problèmes, d'instrumenter cette connaissance du problème avec la donnée. Et justement, de l'utiliser comme un outil contextuel un peu sur ces projets-là. Et ensuite, on a aussi la conviction que, y a des analyses clés que vous devez réaliser à chaque étape du funnel. Sur la partie acquisition, sur la partie activation, sur la partie conversion, engagement, retention, il y a un set d'analyses un peu limité que n'importe quelle boîte devrait avoir pour avoir une vue complète en fait sur sa base d'utilisateurs, sur son modèle de monétisation et sur sa croissance. Donc que ce soit des analyses comportementales, que ce soit des analyses un peu plus statiques de drop-off. Donc ça, c'est quelque chose aussi, on pourrait partager aussi plus de contenu à ce niveau-là. Je sais pas, Manu, si t'as d'autres idées là-dessus. Ouais, bah, je pense aussi que la data, c'est un outil parmi aussi d'autres. Il y a les données quali, il y a les interviews. Et donc, ce qui est bien, c'est de voir la data un peu comme un compas, mais de pas se dire que la data va prendre des décisions pour nous. Parce que finalement, c'est voilà, toute décision sera toujours subjective, il y aura toujours un parti pris. Et faut voir la data un peu comme un compas et se dire que dans tous les cas, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut faire quelque chose et utiliser la data comme un outil en supplément et pas se dire tant qu'on n'a pas toute cette data, on fait rien. Parce que c'est vrai que dans ces cas-là, bah, on peut avoir un peu la analysis paralysis, on va dire, où voilà, on reste bloqué dans son analyse et on fait plus rien, alors qu'en fait, on a plein d'idées, on a plein d'hypothèses et la data peut être utilisée voilà, comme un compas. On teste quelque chose, on voit ce que ça donne et ça a aussi beaucoup de valeur en plus de l'analyse du passé. Oui, tout à fait. Et il y a aussi ces questions que vous posiez de Reforge pour justement rester un petit peu dans le contexte et questionner un petit peu les insights. Tu peux le faire aussi effectivement sur ton processus data, de toujours ramener ça à tes objectifs et de voir si tu t'en éloignes pas trop, de garder, on va dire, une distance raisonnable dans l'exploration avec quand même tes objectifs business, qui est quand même le fond du sujet. On va passer à Irina, tu avais des questions sur les outils. Si tu ne l'avais pas posé, je l'aurais posé. Donc on donne le micro, Irina, si tu peux parler. Merci. Oui, et donc je disais, amplitude, ça a l'air d'être quand même l'état de l'art pour tout ce qui est product analytics, mais par contre, il coûte vraiment très très cher. Donc typiquement, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de boîtes en very early stage qui se permettent d'acheter ça. Nous, en tout cas, on est une ONG à but non lucratif, donc le prix est complètement rédhibitoire. Et la question, c'est du coup, avec quels outils est-ce que vous conseillez de partir qui soient pas amplitude, qui soient moins chers? Et peut-être même plus précisément, bah, quelles sont les choses à suivre au début en very early stage qui soient super importants? Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, bah c'est une très bonne question. Je pense que ce n'est pas une question qui est facile à répondre, pour être honnête. Bah déjà, je pense qu'il y a plusieurs stratégies pour aborder cette problématique un peu data. Donc avant de rentrer dans des outils éventuellement, c'est peut-être déjà de bien mapper qu'est-ce que vous voulez bah, comprendre. Je pense que déjà, tu parlais de product analytics et d'early stage. La recommandation globalement quand on est au début, c'est de mesurer son produit et de bien comprendre ses metrics product. Donc déjà d'établir un peu cette clarté-là. Et je pense que y a pas, en fait, il y a vraiment différents niveaux de précision et de complexité qu'on peut utiliser pour approcher l'analyse de comportement utilisateur. Et bah, très concrètement, il y a plusieurs stratégies. La première, bah, c'est comme tu disais, c'est d'avoir un self-service analytics tool comme Amplitude, comme Mixpanel, et il y en a plein d'autres. Je pense à June aussi,
de Enzo Avigo, qui est peut-être moins cher. Je ne connais pas tous les pricings pour être honnête, donc je ne pense pas être la meilleure personne pour recommander sur ces sujets-là. La deuxième stratégie, c'est de travailler donc avec vos développeurs pour justement comprendre comment est-ce qu'ils peuvent vous faciliter l'extraction et l'accès à la donnée, sur le tracking notamment dans le produit. Souvent dans la partie early stage, les développeurs sont pas mal impliqués là-dedans. Et du coup, par contre, ça va impliquer de la formation de votre côté sur la partie tracking, structuration, extraction d'un dataset et manipulation des données. Donc là, c'est vraiment la partie très autonome. Et sinon, l'autre étape, c'est de recruter quelqu'un qui a ce profil plus analyste, qui a un peu la double casquette analytics, data engineering, et qui va pouvoir faire le pont entre vous, côté product, et la partie engineering, pour justement donner accès à ces insights. J'espère que ça répond à ta question et tu parles aussi, enfin, t'avais parlé aussi d'effectivement partir de basique, quoi, Google Sheet et pas partir tout de suite sur sur les énormes machines de guerre. J'avance un tout petit peu, merci, j'accélère juste pour prendre un maximum de questions. On va parler organisation data maintenant avec Guillaume qui avait une question justement sur un peu la dynamique organisationnelle product data, comment tu travailles avec les data analysts. Je te laisse expliquer le fond de ta question, Guillaume. Oui, merci Mathias, salut à tous et merci pour la présentation, super intéressante. Je voulais savoir justement, Manuel, tu discutais de la relation avec le PM et de pas rentrer dans les échanges transactionnels. Et je voulais savoir quelle organisation cible sur une grosse entreprise vous conseillez entre des data analysts et des équipes PM. Ouais, très bonne question. Bah, je pense ça, en fait, il y a soit la structure un peu centralisée où toutes les demandes arrivent vers les data analysts, ou décentralisée où chaque analyste est associé à un PM en particulier. Donc chaque structure a un peu ses avantages et ses inconvénients dans tous les cas. Je pense que pour qu'il y ait vraiment un vrai partenariat entre le PM et l'analyste, le mieux c'est que l'analyste soit directement rattaché à l'équipe produit, potentiellement qu'il participe à quelques réunions avec l'équipe produit au global, pas juste le PM, et aussi que voilà, le PM puisse avoir un meeting régulier avec l'analyste pour qu'il y ait vraiment une sorte de zone, une safe zone pour juste collaborer entre PM et analyste, parler voilà, le PM de son contexte, l'analyste de ses projets, de comment il pense qu'il peut le mieux aider le business, et vraiment avoir du temps de collaboration directe plutôt que juste voilà, une demande sur Slack ou par mail. Qui va rester assez superficiel. Donc, je pense que la clé, c'est vraiment voilà, de collaborer en direct, d'avoir un rythme assez régulier et aussi de poser les bases en fait de cette collaboration, qu'elle soit assez claire, qu'est-ce qu'on attend de l'un de l'autre. Donc, ouais, peut-être voilà, avoir une collaboration directe plutôt que des PM qui demandent un peu à la data team au global. Peut-être que ça peut aider sur ce point. Ouais, il y avait deux autres personnes qui posaient des questions justement sur les orga data. Max, Céline. Max, j'espère que tu as eu des réponses du coup à tes questions. C'était à peu près similaire comme question. Et Céline, elle est dans un cas différent. Dans une petite équipe tech produit où il n'y a pas d'équipe data, elle vous demande en gros quelle part du quotidien en tant que PM tu devrais accorder à la data, selon vous. Quelle part du quotidien? Je pense qu'une des clés, un des principes fondamentaux, ça va être déjà d'avoir les bonnes metrics, de faire un peu ce KPI tree mapping dont on a parlé. Donc ça, c'est une sorte de fondamental. Et une fois qu'on a cette fondation, ça va être de bien mesurer les projets qu'on va lancer. Pour pouvoir bien itérer en fait, donc de bien définir les success metrics, de bien choisir la méthode de rollout de ces projets pour être capable d'isoler l'impact ou non, ou du moins de faire un choix conscient à ce niveau-là, et ensuite d'être capable, une fois qu'on a lancé ce projet, de mesurer l'impact, de le reporter, et du coup de faire évoluer son KPI tree mapping pour justement avoir cette carte mentale de comment est-ce qu'on arrive avec son travail du quotidien à avoir un impact en bout de chaîne sur le business. Je pense déjà, si on maîtrise un peu ce cycle, évidemment, il y a pas mal de petites compétences qui rentrent dans ce domaine-là, mais en tout cas, moi, si j'étais PM ou si je devais me concentrer sur une chose, ce serait déjà de maîtriser ce fondamental.
Ouais, canon. Et effectivement, vous avez donné des bonnes grilles de lecture pour ajuster. Céline, n'hésite pas à te replonger dedans. On va terminer du coup avec Ziad. Tu avais une question sur Growth Science, Data Science. À toi le micro. Intéressant d'avoir cette présentation et de penser justement à comment d'un point de vue business, la data est importante pour les product managers. Mais j'étais juste un peu curieux sur la fin, surtout quand j'ai vu le terme growth science. Directement, j'ai pensé à data science. Et c'est peut-être pas le but de ce call aujourd'hui, mais justement, comment vous voyez de plus en plus ces nouveaux rôles qui sortent aujourd'hui, des rôles de data product manager, qui justement bossent sur la data science, du data engineering pour des modèles d'IA. Je voilà juste avoir votre retour là-dessus, s'il y a des analogies avec ce qui est présenté ici qui peut se faire sur ce nouveau rôle qui ressort de plus en plus. Ouais, alors là-dessus, je pense qu'il y a un truc qui est clé, c'est que en fait, plus on va travailler sur ce type de projet alors, très complexe de data science, surtout si on va avoir un impact sur le produit derrière, ça va impliquer énormément de stakeholders différents et du coup une chaîne de valeur qui est hyper large avec des skills qui sont assez spécifiques et assez profonds. Donc quand on va parler de data engineering pour l'extraction de la donnée, bien la mettre accessible derrière aux analystes ou du moins aux product managers, aux développeurs qui vont devoir implémenter les modèles, les mettre en production, etc. Et les data scientists, en fait, il va y avoir pas mal de casquettes différentes. Et je pense que c'est là où le data product manager devient indispensable. C'est de bien faire communiquer toutes les parties prenantes ensemble pour s'assurer que derrière, la delivery, qui est quand même assez complexe d'un point de vue technique, eh ben, elle se passe bien. Donc je pense que c'est plus j'ai moins d'expertise sur cette partie-là data product manager, mais en tout cas nous c'est quelque chose chez Dashlane où on avait mis en place à un moment donné ce type de rôle justement pour mieux coordonner ceux qui sont proches du business et de la delivery plus product de ceux qui travaillent sur la donnée pure en tant que telle, que ce soit l'extraction ou la modélisation, on va dire. Donc je sais pas si ça répond à ta question. Si, merci. Trop cool. On va finir là-dessus. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. C'était riche, très dense. Il y a vraiment beaucoup de remerciements sur la qualité du contenu et sur effectivement la densité. Donc, vous inquiétez pas, tout est voilà, structuré par écrit grâce au petit Notion aussi que Tanguy et Manu nous ont préparé. Vraiment un grand merci à vous tous. Et puis, merci pour ce partage. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à très bientôt sur les masterclass TPC.